Eh bien, aujourd'hui, nous allons au casting de Miss Beauvaisis. Bah, ça se passe ici, à l'hôtel de ville de Beauvais. Et pour cela, il faut une Miss. Eh bien, je vais me mettre dans la peau d'une Miss. Et pour moi, ça va être la mission, forcément. Et voilà. Bon, je suis en Miss Yon. Allez, on y va. On va au casting de Miss Beauvaisis. C'est parti, suivez-moi. Alors, je suis de la mairie. Donc, le jury ne sait pas que je suis là pour faire le reportage. Je vous rappelle, c'est la surprise de la Miss Yon qui arrive, qui va se présenter pour Miss Beauvais. Allez, par ici les candidats. Ils sont là les candidats. Bonjour, je vais me présenter. C'est pour Show TV. Est-ce que c'est possible? Oui. Bon, voilà. Donc, comment ça se passe alors? Ouais, ça se passe super bien. Et puis, bah, pour se présenter, comment on fait? On peut se présenter maintenant? Oui, voilà, c'est le cas. C'est maintenant, c'est le moment. Bon, bah, moi, je vais me présenter. Alors, comment on fait? Elles sont passées déjà ou pas? Non. Bon, on y va. Venez avec moi. Allez, on va aller voir les jeunes filles qui vont passer le casting. Oui, je suis belle. Moi aussi, je veux me présenter. Bonjour. On va... Qui se présente ici? Là, ici. Bon, alors, viens, on va venir avec nous. Hop là, on va voir la jeune fille qui est là. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous êtes ma concurrente, alors. D'accord. Alors, pourquoi vous voulez vous inscrire aujourd'hui? Pour quelle idée? Pour représenter la ville de Beauvais. Voilà, vous êtes de Beauvais? Oui. Voilà, vous êtes déjà passée? Oui, je suis déjà passée. Oui. Alors, quelle question vous posez? Alors, on vous demande de qualité. Pourquoi on veut s'inscrire? Oui. Le nombre de marchés. De marché. Mesure. Et voilà. Bon. À peu près tout. Je suis prête pour tout ça. Je suis prête. À côté, c'est comment le prénom? Émilie. À côté, nous avons Aurore. Aurore, pourquoi s'est inscrite toi aussi? Pour participer à une élection qui va être magique. On va être traité comme une petite princesse. Vous avez déjà vu les autres élections? Vous êtes déjà allé. Oui, à la télé, mais pas... Ah oui, non, jamais... D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, bonne chance, hein, peut-être au 30 mars, alors, parce que c'est le 30 mars, l'élection. Hop, tandis que je me prends dans la robe, on va aller voir là-bas. Venez. Bonjour. Voilà. Je crois que j'ai une touche aujourd'hui. Bon, nous, on va... Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que je peux être Miss Beauvaisis, moi? Ouais. Bon, on va voir ça. On va passer le casting, on va aller voir le jury. Allez, on attend pour rentrer. Le jury est juste derrière cette porte. On croise les doigts. Je suis sûre que le 30 mars, je serai sur scène pour être la plus belle. Bien sûr, Miss Beauvaisis. Non. Eh bien, on y va. On va se présenter pour le jury. Bonjour. C'est bizarre de vous parler. Bonjour. Comment vous appelez vous-même, mademoiselle? Je suis la Miss Yon. Ah, la Miss Yon. Voilà. Vous savez combien? Vous prenez la place? Merci, vous avez déjà écrit avec vous. Vous filez à la place. Merci. Vous prenez un dos, vous prenez deux dos. Faire 1m65. Bon, c'est bon, je suis dans les clous. Bon, mais là c'est bon, hein. Quelles sont vos qualités et vos défauts? Oh, aucun défaut. Aucune qualité. La qualité, c'est que je suis très bien habillée. Je suis une vraie blonde aussi. Voilà. C'est quoi votre prénom, Miss Yon? Je suis Miss Yon, c'est tout. Votre prénom, vous êtes Miss Yon, vous êtes Miss Yon. C'est que Miss Yon. D'accord. Là. Vous avez été élue quand? J'ai été élue l'année dernière. Voilà, c'est sur une année en fait. Et aujourd'hui, c'est la mission, je peux vous le dire. Votre âge? Comment? Votre âge, vous avez quel âge? Une princesse n'a jamais d'âge. Elle est très naturelle, en tout cas, j'adore. On m'a dit qu'il fallait marcher aussi. Oui, monsieur le maire, vous avez un village. Monsieur le maire de Tillet, qui est là, je vous
Voilà. Voilà. Oui, oui. C'est parce que j'ai pris un peu de forme dernièrement, alors ça ne se ferme plus. Ça ferme plus. Alors, il faut marcher. Oui. Il ne faut pas avoir de tatouage. Non. Non. Attention, on marche. Monsieur le père, vous le dites. C'est bon ? Oh oui. Bon, c'est parfait. Bravo. Bon, est-ce que je suis prise ? Oui, il y a quelque chose qui se passe quand vous vous déplacez. Là. Oui, on a un bon feeling tous les deux. Hein. Bon, allez, on va parler. Non, mais prochain, on va en parler. Alors, quels sont les critères pour être une, pour se présenter aujourd'hui à Miss Beauvaisis ? Eh bien, il faut faire 1m65. On donne des dérogations, bien sûr, pour certains cas. Nous avons cette année exigé que les filles fassent dans un périmètre de 30 km autour de Beauvais pour être représenter la ville, être disponible assez pour les week-ends. Oui. Après, c'est, voilà, les critères principaux, c'est ça, pas de piercing, pas de tatouage, pas de moustache, pas marié. Pas de barbe, pas de poils au bras. Pas de poils au bras, oh, c'est léger. Être une femme. Oui, c'est un duvet. Une portugaise, ça ne passe pas, par exemple. D'accord, bon. Bonjour à toutes nos portugaises qui nous regardent. Bonjour à Linda de Fina. Voilà, Linda, si tu nous regardes. Voilà. Puis, ils sont élus pendant un an. C'est ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura des surprises cette année? Parce qu'on faut rappeler quand même que c'est le 30 mars et ce sera à Tillet. Voilà, la salle, le gymnase. Le gymnase communautaire. Voilà, à Tillet. Alors, il y aura des surprises? Il y aura quelques surprises. On ne peut pas les dire maintenant, non, c'est sûr, parce que c'est une surprise. Voilà. Alors, on va quand même filmer le jury où ils vont se présenter au fur et à mesure, parce que moi, je ne les connais pas, tous ces gens. Alors, madame, vous êtes... Fatia Bouzekri, présidente de l'association Destin de Femmes. Destin de Femmes. Bon, nous, on se connaît, mais bon, il faut répéter pour les gens qui nous... Chantal, je suis la chaperonne des filles. Voilà. En fait, c'est un peu la madame de Fontenay, en fait. La maman. La peu, voilà. Là, nous... Oh, ben, on la reconnaît, ben, bien sûr qu'on la connaît. Là, une collègue. 2012, je viens rendre mon titre. Voilà. Après, nous avons notre donc, moi, je suis Patrick Masson, je suis vice-président du comité, graphiste, donc créateur d'affiches et toutes les identités visuelles concernant le comité. Là, nous avons à côté le président, Adrien Bastard. Voilà, président fondateur de la marque Miss Beauvaisis. Voilà, tout simplement. À côté, nous avons Cynthia, la chorégraphe. Voilà, celle qui va faire danser toutes les Miss. Donc, il faudra me faire danser. C'est pas gagné, moi, je te le dis. On va essayer. À côté, nous avons... Wilfried Jeannot et... Bénévole, voilà. Et puis voilà, nous avons le photographe. Donc, Carla Fabien, photographe et gérant du site web aussi, du Facebook. Tout simplement, voilà. Voilà le jury au complet. Et puis monsieur le maire, on va le représenter encore une fois. Parce que je pense qu'on a un bon ticket avec monsieur le maire. Je pense qu'on fait beaucoup. Ah oui. Oui, ben, donc moi, je suis le maire de Tillet, bien sûr, et vice-président de l'agglomération. Et puis, je fais partie du jury. Je ne sais pas si c'est à vous pas ou ponctuellement. Avis. Ben dis donc, moi je vais me représenter chaque année, c'est monsieur le maire. Absolument. Voilà. Et donc on l'attend avec impatience. C'est notre Alain Delon. C'est le Alain Delon. Alain Delon, mais c'est vrai qu'il ressemble à Alain Delon aussi. Oui, voilà. De loin. Mais Alain Delon quand même, oui. Voilà. Monsieur le maire, monsieur le Marquetti, merci. Donc nous avons rendez-vous le 30 mars. Bien sûr, j'y serai pas. Hein. Moi, je serai dans le jury. Et puis, bah, faut aller à Tillet. Pour tout renseignement, ça s'affiche en bas de votre écran. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.